eu l'envie de tout laisser tomber. Puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Yes, ça et la famille, comment on va aujourd'hui? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, aujourd'hui consacré à la carrière de Blacko. Let's go! Blacko, de son vrai nom Karl Appella, né le 5 février 1979 à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il se lance dans le rap à l'âge de 12 ans. Il a commencé à être connu avec le groupe Sniper, mais avant ça, il arrive à Deuil-la-Barre. Il est dans le groupe AR Posse. À 15 ans, il le quitte pour intégrer Chaotique. La même année, il entre dans le collectif Comité de Deuil et rencontre Tunisiano avec qui il crée Personnalité Suspecte. Grâce à ses facilités pour le reggae hip-hop, il devient l'un des membres phares du collectif et se fait remarquer sur le morceau 95170 de M Group. La rencontre avec son père est un événement marquant de sa vie, qui lui permet de mieux se connaître lui-même et de connaître ses origines. La Réunion. J'étais trop petit pour comprendre, j'ai dû grandir sans toi. Même si maman s'est bien occupée de moi. Maman m'appelle, elle me dit quelqu'un veut parler. J'ai juste entendu allô, j'ai compris qui c'était. T'es resté 8 ans, puis t'es reparti. T'es retourné au pays. Karl se produit au Hip Hop Follies de La Rochelle en 97 et lance le groupe Sniper avec deux acolytes. C'est au sein du groupe Sniper que commence le succès. Blacko se démarque avec un flow mélangeant reggae, chant et rap. Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer, me taire ou crier. Je fais le tri et je pense que prier est le seul moyen pour laisser le soleil. Mais pour l'heure, je suis qu'un nec de plus sur ce navire qui chavire. Navire qu'on appelle la France, notre souffrance l'ordre d'un à tous. La France est une guerre, et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Y'a de la rapette pour les bigots. Y'a de la négresse pour les négos. Je ne cite tes rimes seulement. J'entends l'alarme qui sonne. C'est trop souvent que je me questionne. Mais dites-moi bon, pourquoi la police m'agresse? Pourquoi tant de pipo dans la presse? Pourquoi chaque jour j'encaisse? Pourquoi Babylone me tient en fait? Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas hasard. Un jour notre passe. Ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré. Je tourne pas ma teubée. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. Je profite de la chance que j'échoue pas le guéri. Je me prends pas la tête. 2003, je suis là planté dans ce putain de décor. Mon team et cœur, l'enfant ne respecte plus sa mère, c'est gore. L'espérance meurt, c'est violence, drogue, sexe au sommet. La planète pleure, mais personne essuie ses larmes. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit rien. C'est à la suite du deuxième album de Sniper, Gravé dans la Roche, que Blacko a deux accidents de scooter en quelques jours. C'était un électrochoc pour toi en fait. Ouais, complètement. Même au niveau de la foi, c'est-à-dire c'est peut-être que tu t'es rapproché de ta foi, c'est ça, etc. Ouais, ouais, ça m'a ouvert à l'esprit, frère. Je conseille pas à tout le monde de faire des accidents pour ouais, ça, tu vois. Mais t'as eu deux accidents, deux motos, il me semble, c'est ça. Ouais, deux en 6 jours. Le premier, en plus, c'était même pas grosse bécane. J'étais avec un scooter que je tournais dans le Tchex, tu vois, tout le temps. Ouais. Et le premier accident, ça a guidonné tout seul, frère. Je suis parti en avant. Tout droit, c'est tout droit. Je sais pas ce qui se passe. Je vole en avant, frère. Que des brûlures pff, partout sur tout le corps. Ouais. 6 jours après, tu remets ça, ouais. 6 jours après, face à face avec un autre scooter qui est le gars, il arrive en sens interdit. J'étais en train de parler avec un poteau, j'entends bim. Même les pompiers sont devenus ouf. Elle est où la voiture? Il n'y a pas de voiture, c'est tête à tête en scooter, là, face à face. Ah ouais. Ils sont devenus ouf, les pompiers. Qu'est-ce que tu fous sur cette planète, tu vois? Est-ce que le but c'est que l'oseille? Est-ce que c'est que. Plein de questions, frère, tu vois. Ce changement se ressent aussi dans sa musique. Il chante pour défendre ses convictions et faire partager un message conscient. Mais après les accidents, c'est. Voilà, j'avais envie de raconter des trucs encore plus concrets, tu vois. Et je sais pas, comme un exemple. Dans l'album Sniper, trait pour trait, il y a un morceau qui s'appelle Dans mon monde. Ouais. Tu vois, mon couplet, c'était. Ça réfléchissait, ouais, mais change-le parce qu'il est trop. C'est, attends, tu dis des trucs de ouf, tu parlais avec les oiseaux, tu trucs, tu machin. Ouais. Tu vois, right. Moi, c'est ce genre de truc que je voulais chanter, tu vois. Bienvenue dans mon monde, rouge, jaune, vert, où l'homme devient lion et porte une crinière. Système a rendu schizophrène, je me suis fait une planète en rayant les hyènes, les chiennes et les gens malos. Médicalement parlant, je suis atteint par le syndrome de Peter. Je vis dans mon monde car le vrai fait peur. Dans mon monde, les oiseaux parlent et m'avertissent. Ils me disent quoi, ton père, tu es son fils. Je grandis, plus je vois que tout va à travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Bonne, j'ai fait sonne ma bonbonne, remplie de vibes trop bonnes. Man, j'ai sorti my weapon. Oh, ça,
Mais ça déboîte, c'est pas possible, il y a des mamans, il y a des... Non mais c'est un clip de rap. Il veut des good vibes, un good vibe. On a une longueur d'avance, allez good vibes. Je ne veux pas de ce star système. De ces paillettes maudites qui colportent la haine. Non, je préfère la simplicité, l'humilité, le naturel. Non, je ne veux pas mentir aux gens ni me mentir à moi-même. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour que l'on... Après trois albums avec Sniper, il prend son envol. Il aimait plus le rap, et puis il nous a clairement expliqué que ça le saoulait, qu'il avait plus envie de qu'on continuait. En plus de ça, il y avait pas mal d'incompréhensions entre nous et de non-dits qui ont fait que accentuer le fossé qui avait entre nous. En fait, le troisième album, on l'a fait tout en étant sous tension déjà. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz, il y avait quelques petits conflits. Il le faisait sans vraiment le vouloir. Nous-mêmes, on comprenait pas en fait ce qui se passait. C'est que même si nous, on essayait d'aller vers lui ou d'essayer de lui dire, il avait plus envie, quoi, tout simplement. Et puis après, on n'a pas insisté. On a fait l'album. À partir du moment qu'il avait plus envie de travailler avec nous, ça allait de soi qu'on n'allait pas, lui courir après, quoi. J'avais besoin d'un rapprochement avec mon père et tout, me rapprocher de ma culture. Je suis parti un petit peu de temps à La Réunion, tu vois. Et il y avait aussi le côté relationnel, tu vois, avec certains membres du groupe de Sniper, tu vois, ça collait plus trop, donc voilà. C'est des incompatibilités d'humeur, tu vois, c'est juste, il y a un moment, ça passe plus. Quand t'es petit, ça roule, tu grandis, tu deviens adolescent, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, si on pense plus pareil, sur un peu tout, même on traînait plus trop ensemble, tu vois, on se commençait à se retrouver que les vendredis sur scène. T'as vu, ça faisait un peu tout bifoui, à mon goût. Enfin, on se voit pas trop, ça va, fais du bruit pour mon poteau. Poteau. Tu vois, c'était plus comme au départ où on traînait nos culottes H24, tu vois. Allez, on bouge là-bas. Mmh. Après, là, c'était vraiment que, ouais, vendredi, date à Nantes. On se voit à Nantes, tu vois. Ouais. Sur le trajet pour aller à Nantes, ça m'intéressait plus trop, quoi. Donc, c'était plus toi qui étais de ton côté et les deux autres de leur côté. C'était un peu comme ça, quoi. C'est. Non, même pas. Quand on partait tous ensemble, tu vois, mais chacun a sa petite équipe. Ouais. Et des fois les équipes d'un n'aiment pas l'équipe de l'autre et ça crée des tensions, voilà. Etc. Quoi. Après c'était relou. Il prend son envol et commence une carrière solo en annonçant sa séparation du groupe depuis juillet 2007. Le titre bonus Intersection sur l'album solo de Tunisiano est ainsi le dernier à présenter le groupe Sniper au complet. On a squatté la piste, on s'est tapé des barres. C'est toutes les gants qu'on terrorise dès que l'équipe départ. Quand la mort frappe on ne s'y attend pas. Quand elle arrive ne prévient pas. Cesse de me stresser, tu sais que c'est ma passion. A plus je suis pressé, à la bourre. L'appartement est vide et ils ne sont plus là. Juste un mot laissé à terre qui dit on s'en va. En 2006, on le voit sur pas mal de prods ainsi que les années suivantes avant de préparer son album. Le remercier pour ce qu'il a fait et fera pour moi. Ja, merci pour cette force que tu nous donnes. Pour dans cette âme 666, fire, fire. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je veux t'entendre crier pour tu. Babylone, mon flow est un virus dans tes programmes. Il désinstalle, il nique, envie tout femme. Bon, 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 tu dis qu'on avance, on veut qu'on se recule. Un morceau lance, flamme pour la jeunesse qui t'en. Alors ça y est, toi et moi c'est terminé. Je suis parti pour une autre, j'étais pour toi. De nos différences, n'est-ce pas la folie de l'homme? Torse-nous et la poisse.
Mais malheureusement, en 2009, le label Desh Music boycotte la sortie de l'album Enfant du Soleil de Blacko, un album orienté reggae. La même année, Blacko participe également à l'album Crise de conscience de Kuchen pour la chanson Eldorado et continue les prods reggae. Sans une once de revanche, je rêve de l'Eldorado. Traverser l'océan du destin pour aller marquer l'histoire. Mener sa barre au fil de l'eau. Je voulais découvrir le monde, ouais, quitte à dormir par terre. J'ai bougé, l'esprit libre sans bouger. La vie est une mise à l'épreuve, une étape, un jeu. J'ai entendu le vent et j'ai écouté les feux. Et ses joies artificielles pour un retour au nord. Je quitterai Babylone, poussé par l'envie. Je reste motivé pour promotionner reggae music. Je suis dépagé, un message avec un minimum de conscience. Avec les femmes de Roaring, c'est comme ça qu'on avance. Garde l'espoir même si parfois j'ai l'air abattu. Rappelle-toi que le lion ne meurt pas sans se faire combattre. Alors c'est ça la tendance, jouer la racaille, le méchant garçon. Alors qu'à la baraque c'est toujours maman qui perd de lunettes de soleil même quand il fait nuit. Casquette et des baskets neuves et n'oublie pas ton recul. Ata ata ata, paya paya paya, man, vas-y prends-moi le microphone. J'ai longtemps suivi le troupeau, jusqu'à me perdre littéralement. Se sert de toi sans que tu n'en prennes conscience. Trop bon, j'en ai tiré des leçons. Blacko décide de diffuser son album boycotté par son label par le biais d'internet, contre vents et marées. Les 17 titres de l'album Enfant du Soleil sont donc mis à disposition du grand public. D'ailleurs cet album-là tu l'as sorti en 2010 Exactement 8. Bah voilà, contre l'avis de ton label il me semble. Ouais, l'ex-producteur de Sniper, je cite pas son nom pour pas de pub, ouais, tu voilà. Vois. Et tu l'as sorti Ouais, je l'ai foutu gratuit sur le net. Pourquoi? Tu voulais absolument que les gens entendent ta musique? Ouais, parce que t'as vu, il y avait eu des petites querelles avec lui, tu vois, ma fille elle avait un mois à l'époque, tu vois. Je la tenais dans mes bras. Et le gars il commence, ouais le reggae c'est mort, de toute façon t'es mort, sans Sniper t'es mort, blablabla. Parti, j'ai distribué ma musique, tu vois. Mmh. Et on a eu que des bons retours, c'est reggae, mais on a eu que des bons retours. On est parti chanter à droite, à gauche, tu vois. Mmh. Ça nous a emmené jusqu'en Nouvelle-Calédonie, Gabon, tout. Je m'en vais, comme l'aurait dit Gainsbourg, mon amour. J'en ai assez de ces tours bétonnées qui osent se dresser vers les cieux. Et assez de ces chemins goudronnés qui mènent tout droit à la perdition. Toutes les règles, nous n'avons pas suivi les règles. Depuis la nuit des temps, le fort oppresse le fer. Armageddon time. À la suite de la diffusion de son album, Blacko sera assigné en justice après un dépôt de plainte du label sous lequel l'album aurait dû sortir. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une tribune pour la planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer? J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Relâche et vite, ferme les yeux. La liberté d'expression.
nation est une conspiration où le dollar civilise avec des canons. En 2011, un EP 5 titres voit le jour intitulé Instacaf, mélangeant Ségué et Malogué. Ouais, c'était un petit EP mais pour la Réunion, tu vois, 5 titres c'est du Ségué, alors là c'est faut être réunionnais pour apprécier, tu vois. Ouais. Moi c'est une des musiques sur lesquelles mon père y dansait, tu vois. Donc c'est un petit clin d'œil que même en même temps c'était que pour lui faire dire plaisir à lui, tu vois, qu'il entend non, le garçon il fait comme ce que je faisais à l'époque. Sniper sort l'album À toute épreuve, mais sans Blacko. En février 2014, il revient au rap avec un EP 7 titres intitulé Le temps est compté, qui introduit son retour avec un nouvel album prévu pour novembre 2015. Il apparaît également en featuring avec The King's Son sur le morceau I'm Not Rich. Ah, il y en a, c'est un retour, il y en a pour d'autres, c'est découvert parce que ça fait quand même 2007, ouais. Ouais, on arrive sur 8 ans quand même, tu vois. 8 piges, pas rien. À part du reggae très underground, où il faut aller vraiment fouiner pour trouver. Voilà. 8 piges, rien. Voilà. Bah, je me dis, je suis content. Voilà. Arriver à faire hop, et, ouais, ça c'est sympa, truc. Bon, il y a quelques gens qui ne comprennent pas. Ouais, t'es plus rond, c'est plus truc. Enfin, je travaille. Voilà. Je fais juste mon boulot. Après, que tu sciences, ouais, Blacko, il a changé. Allez. Je te reconnais pas, mais tu ne me connais pas déjà dans un sens, dans un premier temps. Alors, me reconnaître, c'est encore un autre boulot, tu vois. Décourager, te démotiver, te freiner, te bloquer dans ta lance. Sois toujours déterminé. Accroche-toi et n'abandonne jamais. On n'a rien sans. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Ouais, c'est Joey, c'était pour, voilà, comme je t'ai dit, j'ai commencé le rap, moi, avec des mecs comme ça dans les oreilles, tu vois, NTM, IAM. Ben ouais, et là ça me faisait encore le même kiff, tu vois. Pourtant j'aurais pu ce genre, ouais, je l'ai déjà fait deux fois, c'est bon, il va pas me surprendre le mec. Sonaba ! Tu sais, t'as encore envie de te jeter dans le studio, faire mais non ! Parce que tu te revois petit comme ça, quelle gratitude devrais-je avoir pour la France ? Moi, tu vois, Star qu'on confie. Black ! Attendez deux minutes. C'est génial ce qu'on vit là. Ouais, tu kiffes, tu vois. Mais pour moi, ça me donne plus de force que tu me sors le dernier guignol qui marche à fond, mais que tralala pompon. Voilà. Je sais que Joey, frère, voilà, c'est. Le monde de mode, on connaît, frère. Et pour ceux qui connaissent, on connaît. Mettez-le sur scène, vous allez comprendre c'est quoi. On n'emportera rien dans la tombe, si pas rien ne se fait sans billets. Dans ce système, si t'as pas d'oseille, t'es considéré comme un paria. Faut poser des mots et merveilles, faut faire des thunes par n'importe quel moyen. Pour se sentir en sécurité, c'est la course aux billets violets. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister et tu peux pas faire semblant. Semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. La vie est courte, ma savourer d'être mon temps. À tout moment, la vie peut me quitter. Chaque seconde, le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Je me disais, bon, espérons que. Enfin, je me préparais à l'échec le plus brutal. Au truc un petit peu, même au gros, je me prépare à tout, mais en vrai, le gros, non, j'étais pas prêt. Et c'est, pour moi, c'est gros déjà, tu vois, je t'ai dit, le gros mot, c'est gros déjà. C'est, je fais pas 4 millions de vues, je vois, 800 000. Je suis déjà, c'est une dinguerie déjà pour moi. Ah. Et ça me fait kiffer comme un petit gosse de 11 piges. Ah. Pied sur le démarreur, bou 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 bou. Il kiffe ça ? Bou 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 bou, on voyait encore du spécial. Ah ouais, ça, voilà. Parce que je kiffe ça, c'est que ça. Ah. Après pour les gens, ouais mais il fait du rap, du reggae. Dans les smartphones là, vous allez vous taper Unity, compilation rap 99. Ah. Je me rappelle dans ma chambre quand j'écrivais mes premiers extotés. J'oubliais mes devoirs, j'avais que des rimes dans ma teuté. Je voulais devenir rappeur et en même temps reggae man.
Alors si t'as mal au crâne après ça, tu vas prendre une douche. Qu'est-ce que je te dis ? Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis chemin et long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui met au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouverneur. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vain. I'm not rich, but I live like a millionaire. Je me fous de vos diamants. Je sais que la valeur d'un homme se trouve dans la force de tes sentiments. Le 4 février 2015, lors du Planet Rap de Blacko, en présence d'Aketo et de Tunisiano, le groupe annonce une collaboration sur le prochain album de Blacko. C'est le moment d'une surprise très spéciale. Je vous l'avais dit, même Killer, il était même pas prêt pour ça. Ah ouais. Il était même pas prêt, il a fondu. J'ai fait 2-3 interviews à droite à gauche. Oui. J'ai dit, c'est pas impossible si on se reparle. Tu vois, même s'il a fallu passer par des... Brûler des disques d'or, mais en même temps, tu peux brûler des rancunes. Putain, ça faisait un moment, hein, tous les trois. Killucru.com, en ce moment, c'est mon truc. C'est de temps à autre, mais c'était. On se disait pas les vrais trucs, on se voyait vite fait. Est-ce que petit posage dans l'album de. Ouais, avec plaisir. Voilà, le plaisir. Ouais, ce serait pas mal de refaire un bon petit morceau. Comme l'oiseau de feu, on renaît de nos cendres, ça va être encore mieux, je crois. C'est pas mal. Non. Si tu jettes ce piano, est-ce qu'il y a du monde ? On dirait que pas tous les anciens ce soir. On dirait que les nouveaux. On dirait que oui. On sera pisse. On est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en fin de beat. On fait le truc. Sorti de mon trou. Pour venir à Sky, c'est juste pour voir se reformer le groupe. Ce qui fait entre nous. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré. Je retourne pas ma CV. Je suis pas une vedette. Et je veux pas en être une. Je suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas marché sur la lune. Est-ce qu'arrêter le chambre ? Fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau. Alias Tunisiano. En novembre 2015, Blacko publie son deuxième album solo, Dualité. Blacko dans le rap, donc il s'imagine vraiment, ouais, ça y va, voilà. Cagoule, pétard et tout ce qu'on peut presque accréditer au rap, tu vois, les clichés du truc, quoi. Mais je vais pas arriver avec ça, je vais même essayer de les combattre, ce genre de conneries. Il y aura quand même quelque chose de plus hip-hop que le premier extrait qu'on a. Ah ouais, bah ouais, complètement, il y a de tout. Il y a du chant, il y a du toast, il y a du rap. C'est juste, j'aime ce que je fais, tu vois. Et les gens, ils savent, voilà. Ça peut être du rap, du reggae, tout, frère, même du slam. Musique. Que musique. Faut pas mettre de barrières dans ce truc-là. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans l'heureux. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je me prends billet avant le décollage. Je garde les pieds sur terre. Mais mon esprit aime s'évader entre l'ombre et la lune. N'essayez pas de me changer. Je suis ce que je suis. Tout a commencé dans la cage d'escalier du quartier. Je rêvais de réussir. Je n'ai rien laissé me décourager. Protège ma famille. Protège-moi de mes ennemis. Être un homme droit, c'est pas facile. Face à la tentation, l'homme est fragile. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. L'enfant du soleil est aussi l'enfant du tonnerre. Depuis le décès de sa maman. Rares sont les vrais amis. Bien dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Dans les moments difficiles, on se retrouve bien souvent seul. Rares sont les vrais amis sur lesquels on peut compter. Entre ceux qui gravitent juste par intérêt et ceux qui vont mal parler quand tu auras le dos tourné. Depuis mon enfant, je trouvais la chance si mélodieux. Je me disais qu'un jour je chanterai comme. Laissez-moi y croire, laissez-moi rêver. Un homme sans rêve, c'est comme un arbre sans vie. Nuance, ne pas confondre rêve et envie. En mars 2016, le groupe annonce sa reformation pour un concert. Le 28 mai 2016, lors d'un concert à Cigale, le groupe annonce la préparation d'un nouvel album. Bah écoute, en fait on a choisi de faire une date anniversaire. On s'est dit quoi, après les 10 ans de Trait pour Trait, ça veut dire avait notre troisième album. Ouais, notre troisième album. On s'est dit bon, vu qu'on s'était plus ou moins rabiboché entre nous, ça veut dire qu'il y avait plus de froid. On se parlait à nouveau. On s'est dit bon bah ce serait bien de faire une date anniversaire. Donc chose qu'on a faite. On appréhendait, on s'est dit est-ce que le public sera au rendez-vous après 10 ans d'absence. Et vu que t'as vu ça va vite maintenant, ouais, aujourd'hui, oui, dans le Peura. Donc on l'a fait et puis le public a répondu présent, on était contents. Et puis à la suite de ça on s'est dit pourquoi pas faire une tournée. En fait, la démarche elle vient de Blacko, ça veut dire que on s'est reparlé. Lui et moi dans un premier temps parce que bon en fait on se parlait plus trop. Après on s'est dit merde, on a mis les choses à plat de ça et puis à partir vous avez de là lavé votre linge sale, ouais, entre vous, c'est ça, voilà. Après il nous a invité à son Planet Rap, on est parti, on a
C'est là qu'on a annoncé plus ou moins à tout le monde qu'on s'était reformé. Et puis après, il nous a invités sur un concert et à la suite de ça, on s'est dit vas-y, on part sur la Ciga. Le groupe publie son dernier album, Personnalité Suspecte Volume 1, le 19 novembre 2018. On vient mettre ce doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. MC décérébré, génération dégénérée. Haine et bêtise célébrée, l'abrutissement des masses à chaîner. Dis-moi que mon rap est immature, que tu peux plus me voir en peinture. Regarde donc ton ossature. Le nom du dernier album là qu'on sort, c'était le nom du groupe avant que ce soit Sniper. Le nom était trop long et on abrégeait souvent Personnalité Suspecte en disant Persnai. Tu mets ça dans un autre sens et ça devient Sniper et on a gardé ça. C'est comme ça que... Voilà. On était jeunes, c'était Rimmer d'Elite Commando, mais on était Elite Section. C'était jadis. Voilà. Mais c'est toujours, voilà, on snipe quand il faut, où il faut. Tu veux leur médaille, être un super héros, un peu comme les frérots Mamoudou Gassama. Si je suis trop bavard, on va me foutre un procès. Il y aura toujours un arbre pour cacher la forêt, des ch'tards pour te crosser. Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Abrutissement, je t'ai vu me vendre, valeur de ta république, je peux plus défendre. L'Afrique, c'est pas que Magic System ou Mbappé qui marque pour vous un coup franc. Et après la tournée, on s'est posé et on s'est dit bon les gars, on a que des bons signaux, ça veut dire que le public est au rendez-vous et que la tournée c'était plutôt un succès, tu vois. Ça veut dire qu'on s'est dit bon ben venez refaire un bon mal, tout simplement, et puis après on verra comment ça se passe. Oui ma gueule dans la glace, grandit ma peur, oui j'ai senti l'averse, les années passent. J'ai des regrets, j'en ai tant, je me suis tant éparpillé. Le temps est un allié. Les années défilent, le temps s'écoule. Quand la nostalgie me frappe, Sablier. T'es content de jouer tes anciens morceaux, mais c'est des anciens. Ouais. Toi aussi t'es un ancien, t'as envie de revenir avec du neuf. Ah. Mais entre temps, en vérité, chacun de notre côté, on n'a jamais arrêté d'écrire ou de faire des morceaux. Donc forcément, jouer des morceaux d'avant, c'est cool, mais il y a une frustration de pas faire ce que t'écris maintenant, à l'heure actuelle, tu vois. Et c'est ça qui nous a donné envie de retourner en studio, de faire de nouvelles choses. Grandis pas trop vite, c'est un piège, c'est pas du miel, c'est un guépier. Viens, on fait un tour de manège. Sois pas pressé, prends ton temps, j'aimerais revoir. Petit, prends le temps, sois pas pressé d'être grand. La vie d'adulte, c'est moche. Si je garde le sourire et ne perds pas tes rêves, la vie donne souvent des leçons, faudra. En fait, tu vois, t'as pas les mêmes... Les mêmes attentes que quand t'as 20 piges par exemple. Ah, complètement. Et forcément ça se ressent dans les titres. Et puis après tu vois, et ça plus le fait de se faire plaisir, on a tenté des trucs. Hein. Franchement, sincèrement, sur cet album là, je crois que c'est la première fois qu'on bosse autant et qu'on a été aussi prolifique. Ouais, prolifique et sérieux. Tu vois. Enfant roi, fils adoré, Kinshasa, gosse de Corée, Gibraltar, fils de... Si le ciel devient mon miroir, alors tu es mon reflet, qu'importe ton histoire. Je suis un enfant du monde, le ciel et la terre sont... Il m'a dit qui es-tu, j'ai répondu un enfant du monde. Il m'a dit regarde comme le roi. Il m'a demandé de quelle race j'étais, j'ai répondu celle du royaume. J'ai poussé de travers mauvaise graine. Le décor est planté, je remue cette merde. Le couteau dans la plaie. J'ai besoin de ta lumière pour me dire que demain ça va aller. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Parfois le moral sombre dans la pénombre d'une sombre mélancolie. L'impression de n'être qu'une ombre galère. J'ai pas mal de démons, mais si Dieu veut, je les vaincrai tous. Je marche seul. En parallèle, Blacko continue sa carrière reggae. Quand viennent les coups durs, quand vient l'impression que tout s'effondre. Se remettre en question, c'est le début de la réponse. L'échec peut être aussi une force qu'il reste à guérir. Le monde pleure, car tous les jours meurent des innocents. Prisonniers de ces geôles, ces cités de ciment, ces grandes mégapoles que l'on appelle. Il se comporte comme un cancer avec la terre, il la détruit. J'ai peur pour les futurs générations. J'ai trouvé un chemin qui m'emmène loin d'ici. Voya voya voy. J'ai trouvé comment être mieux et meilleur dans ma vie. Voya voya voy. L'amour c'est ce qui me tient debout, ce qui me permet de tenir le coup. Juste avec le love, je suis un homme riche même quand je n'ai pas. Même si c'est dur, même si le choix est long. On a tous un but, on a tous un rêve. Ouais. J'ai choisi de croire en la richesse de l'esprit. Je préserverai ma croyance adoucie. Moi dans mon utopie. Voya voya, ouais. Laissez-moi imaginer un monde sans guerre. Un monde sans soldats. Jamais connu l'esclavage, jamais vu la torture, ni de prise d'otage.
avoir fait de moi. J'ai redécouvert l'amour, le pur, le vrai, celui avec un grand A. Vous êtes tout ce que j'ai, ma seule richesse c'est vous. Ça va bouger dans ton club, dans ta résoie, juste en bas de chez toi. Ça va bouger. J'ai du tube à bicrap, très bien viscère, grosse frappe nucléaire. Voilà de quoi les faire pousser. Reçus la vibe, lève les bras bien haut. Tous les jours pour tout le monde c'est pareil. Faut se lever pour aller chercher l'oseille. Dans ce système tu ne fais rien sans monnaie. La loi du frigo Hugo on la connaît. Faut faire du cash sans caillasse, tu fais welou. Pas le choix, faut aller chercher les sous. Rien n'est gratuit, tout y a pas le choix, faut de la moula. T'es en chien, tu ne fais rien si t'as pas de moula. Personnalité suspecte volume 2 était annoncé pour cette année 2019. Mais finalement, tout a été annulé par la volonté de Blacko de faire que du reggae et de tourner la page de Sniper pour de bon. Vous avez prévu, alors Sniper, vous avez annoncé les personnalités suspectes ouais, volume 2. Je ne sais pas si tu as suivi, y a ouais. Blacko il a décidé d'arrêter l'aventure. Ouais. Donc du coup, le groupe amputé d'une personne, en vrai, c'est plus vraiment Sniper. Mm-hmm. Voilà. Et justement, lors de la dernière tournée avec Sniper en 2019, ouais. elle a été malheureusement annulée en plein cours de route, quoi, ouais, tout simplement. En plein vol. Voilà, exactement. Dommage, avec en plus les salles, ça remplissait. Tout je rigole, mais c'est grave pas trop, c'était relou. Mais on est arrivé à un stade où lui, il avait vraiment plus envie. Il sentait pas de continuer. Le rap, c'est plein de trucs qui lui parlent, faire partie d'un groupe de rap non plus. Donc on en a discuté et puis voilà, on a accepté sa décision. C'était relou, dur à accepter, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. Franchement, je vais pas te mentir, hein, je suis pas dans le délire de dans les règlements de compte. Ou bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. Mais tu te doutes bien que c'était relou. Ouais, ouais. C'était chiant, c'est bien. Évidemment qu'on l'a mal pris, évidemment qu'on était vénère. Il sortira cette année à des reprises de grands chanteurs français ainsi qu'un gros feat avec Big MJ. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil. Tout reconstruire, je l'aime à mourir. As-tu fait toutes les guerres pour être si fait longtemps que t'es parti maintenant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie. Jugé sur mon fils, ma bataille. Il fallait pas qu'elle s'en. Laisse ton cœur chanter s'il porte l'espoir. Écoute et ressens ce qu'il te fait. Et combien ça vaut, non. Attends pas, c'est raté, non. Garde le moral, tiens le coup. Ils nous mettent la pression, mais on reste debout. Il sort régulièrement des prods et voici celle de ces dernières années. Regarde le monde, dis-moi ce que tu ressens. Comment imagines-tu l'avenir quand tu vois le présent? On détruit notre monde, on s'auto-détruit. Le respect se perd car on n'a plus de compassion pour lui. On malade, affaibli à l'agonie. Un monde souffrant que notre ignorance assalit. On ne peut pas revenir en arrière pour effacer le mal qui a été fait. Alors on porte le poids d'une douleur amère. Alors pour soi-même, on éprouve de la rancœur. Difficile d'oublier. Désolé, ne m'en veux pas s'il te plaît. Désolé. Je m'imagine à mon meilleur, car celui-ci devient trop mauvais. L'esprit dans les cieux, je fais voyager ma conscience. Oubliez la routine, je cherche la vérité au milieu de la mensonge. Je suis ailleurs. Laisse-moi faire pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'aura. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Fais preuve de gratitude. Remercie la vie et l'univers. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi sa lumière. Sois reconnaissant de tous les bienfaits que t'accorde le Tout-Puissant. Je regarde les étoiles en espérant que ma roue et mon chemin se dévoilent. Oh jolie lune, éclaire-moi. J'ai perdu mon soleil, apprends-moi à faire comme toi. Sois ma boussole pour éviter que ma vie ne dévie et ne vire au désastre. Parle-moi de lui. Il a grandi sans son daron dans le bendo, élevé par sa mère. Il veut de l'argent facile, ne pas trimer pour 1200 euros. Il dit qu'il aime ses parents. Petit bonhomme, fais attention, tu risques de te boire. Ne me mets pas dans ta poche, je suis pas ton mouchoir. Ne me prends pas pour une cloche, ça commence à se faire. Vous aimez trop faire les macros, vous voulez nous voir tapiner. Je suis un girafe, ouais. Il la ramène avec mes casseroles. La rue, la drogue, les femmes et la zone. Que vient-il faire? Blacko, Pierre, Paul, Jacques. Même si ça fait mal, va falloir supporter la douleur. Même si ça fait mal, même si ça fait mal, faut jamais le montrer. Méfie-toi, le regard pâle pour encaisser les coups.
même si ce sont des combats. Tenir coûte que coûte. Il annonce la préparation d'un nouvel album s'intitulant Chakra et dévoile ainsi le 15 septembre un des titres de cet album. Vient dans mon bras, que m'y enlaça. Où les tout ça m'a besoin, mon cœur l'a choisi. Yama, mon cafri. Blacko, ou sous un de ses autres pseudos, suit son cœur et ses vibes. Il aurait pu se contenter de faire du hip-hop avec Sniper pour empocher beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas comme ça qu'il conçoit la musique. Lui a un message à passer et c'est par le biais du reggae qu'il aime le faire. Même si c'est pas bankable comme le rap. Un artiste authentique qui suit son feeling dans tout ce qu'il fait. Il est proche de son public et de sa communauté. On imagine avec plaisir une sortie d'un EP ou même d'un album pour bientôt. Avec le nombre de prods qu'il a fait hors album. Un artiste unique avec une vibes incroyable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire les morceaux que vous préférez de Blacko. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Big up la compagnie. Peace.